Salut mon ami, ici Alliance Baudruche Pemoso de la chaîne Design à deux tutos gratis. Je suis super content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo et j'espère que tu te portes super bien. Ici, je te donne une petite partie de ma longue formation intitulée Adobe Illustrator, marathon débutant à intermédiaire. Alors si tu es intéressé à savoir comment est-ce que Illustrator fonctionne, à pouvoir créer des designs, des logos, etc. En tout cas, je t'invite à suivre la vidéo et aussi si tu veux aller un peu plus loin, clique sur le lien en bas dans la description pour obtenir toute la formation au complet. Toujours dans notre parcours, dans ce chapitre de dessin, nous allons aborder un nouvel outil qui s'appelle outil concepteur de forme. En tout cas, c'est un outil fabuleux. Ça va nous permettre de pouvoir faire deux choses. Vraiment, ne te tracasse pas en fait à comprendre cet outil-là, je ne sais pas de quelle autre manière. Ça fait que deux choses. Soit ça va nous permettre de soustraire, donc d'enlever, ou ça va nous permettre de pouvoir fusionner. Voilà, c'est ce que ça nous permet de faire. Fusionner quoi, enlever quoi, mais des formes. Ici, j'ai dessiné deux carrés, d'accord. J'ai deux carrés qui sont en contour. On peut bien voir les paramètres qui sont là. Alors, si je sélectionne mon outil concepteur de forme, je n'ai pas appuyé sur une touche du clavier. Par défaut, ici, tu vas voir que cet outil vient déjà, en fait, te diviser, on va dire, nos deux formes en trois parties. Donc, il y a cette partie qui est au niveau du haut, là, et cette partie qui est au niveau du bas, puis cette partie qui est au milieu. Maintenant, j'ai le choix. Soit, je peux dire que ça, c'est une partie entière. Ça aussi, c'est une partie à part entière, et ça, pareillement. Ou bien, je peux décider, par exemple, de fusionner ces deux qui sont là. Ou, je peux décider d'enlever. Donc, je m'explique. Je vais dupliquer les deux formes, un peu ça et là, donc les deux, comme ça. Pour que cet outil fonctionne, il faut que tu aies deux ou plusieurs objets sélectionnés. Donc moi, j'ai déjà deux objets sélectionnés ici. D'ailleurs, je peux même décider de sélectionner le tout pour que j'aille un peu plus vite. Si je prends mon outil concepteur de forme, ça va me permettre de faire quoi? Soit de fusionner ces deux. Tu vois, quand je dessine normalement en fusionnant comme ça, ça fusionne. Si je veux supprimer, j'appuie sur Alt. Et c'est que dès que je fais ça, ben, ça vient d'enlever la forme qui était juste en bas. Je vais faire Ctrl Z. Maintenant, il y a une dernière chose à savoir par rapport à cet outil. C'est que lui, il va fonctionner avec les couleurs de contour ou les couleurs de fond que tu vas sélectionner. Par exemple, si je veux passer en couleur de fond, je lui donne cette couleur-là. Vert, par exemple. Là, je prends la couleur verte. Je vais dire à Illustrator, je veux que cette forme-là soit de couleur verte. Je dessine juste dessus. Illustrator vient de me convertir cela en vert. Je veux que la couleur qui est juste au niveau du centre ici soit la couleur rouge et l'autre que ce soit la couleur jaune, par exemple. Voilà. Maintenant, j'ai aussi la possibilité de dire à Illustrator, écoute, moi, je veux que tu fusionnes toutes les trois formes, comme ça, et boum, ça devient jaune. Et je peux aussi lui dire, écoute, moi, j'ai envie que tu supprimes ces deux en maintenant la touche Alt. Et tu peux changer la couleur, par exemple, ici. Je ne sais pas c'est quelle couleur. Et je lui donne cette couleur-là. Voilà. Automatiquement, Illustrator vient de faire le travail. Je me rends compte que j'ai des contours partout. Donc, je vais juste retirer les contours, comme ça. Voilà, j'ai plus rien. Donc, je peux aussi décider de faire la même chose ici. Je vais dire à Illustrator, écoute, moi, j'ai envie que tu puisses avoir cette forme-là à part entière en contour, ça aussi à part entière en contour. Et dès que j'appuie sur la touche V, comme raccourci clavier pour prendre l'outil de sélection, tu vas te rendre compte que je peux déplacer cette forme et je peux aussi déplacer celle-là. Je viens d'obtenir une autre forme géométrique. Je peux par exemple sélectionner les trois formes qui sont là, c'est un carré plus deux cercles, que je vais décider de mettre en je vais prendre l'outil concepteur de forme, je vais me mettre en remplissage, je vais prendre la couleur rose parce que c'est un corps qu'on va dessiner. Donc si je décide par exemple de fusionner tout ceci, je vois bien ce que ça fait et je sélectionne. Maintenant, grâce à l'outil de sélection, j'ai la possibilité de pouvoir faire une rotation juste à côté ici. Je maintiens la touche Shift et bam. Ça me donne un cœur à ce niveau. Donc là, je présume que tu as compris
Comment est-ce que l'outil concepteur de formes va fonctionner? Ça va nous permettre de pouvoir fusionner ou soustraire des formes. Donc, si c'est compris, en tout cas, je te propose qu'on passe dans la vidéo suivante où on va maintenant aller un peu plus loin dans l'utilisation de ces outils de dessin-là. À tout de suite. Si tu viens aussi de me découvrir par cette vidéo et que tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche de notification et à laisser un petit pouce bleu parce que ça me fait plaisir et ça permet au référencement de la chaîne, mais aussi à partager la vidéo autour de toi. Alors, je ne sais pas si jusqu'à présent tu te rends compte de ce que tu peux produire avec cet outil concepteur de forme, mais qu'à cela ne tienne, moi je t'emmène un peu plus loin dans l'utilisation de cet outil, où on va apprendre en fait à créer des logos et des icônes à l'aide de cet outil aussi simplement que possible. Parce que tu dois savoir que pour être un logo designer, pour pouvoir concevoir les logos, les icônes et tout, cet outil te sera vraiment utile tous les jours de ta vie. Regarde par exemple, on a cette petite icône de recherche qu'on retrouve un peu partout. Alors tu te demandes comment est-ce qu'on a pu créer ça peut-être, mais tu as déjà la réponse. Ça sera l'utilisation de l'outil concepteur de forme. On va juste prendre un outil ici qu'on appelle par ellipse. Donc on va dessiner notre ellipse comme ceci. D'accord? Pour des besoins de compréhension, pour qu'on soit un peu plus rapide dans la compréhension de ce qu'on va faire, je vais d'abord rester en contour, en remplissage. Donc en fond comme ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on a deux possibilités pour pouvoir avoir la même forme. Donc je veux dupliquer cette forme pour la redimensionner. En fait, on en a même trois ou quatre. Il y en a plusieurs. Donc, la première, c'est se rendre dans édition, puis faire un copier. Repartir encore dans édition, puis faire un coller devant. Et là, on va avoir deux formes. D'accord? Je peux même changer la couleur de l'autre forme, comme ceci, en pipettant. Donc là, je viens de pipetter. J'ai triché. J'ai triché dans quel sens? Ben, j'ai juste profité de cet outil-là. On appelle cet outil pipette. D'accord? Cet outil te permet en fait de prendre une couleur rapidement. On va y revenir de toutes les façons dans l'utilisation de cet outil. Donc là, je vais changer la couleur comme ceci et je vais décider par exemple de redimensionner cela. Donc je redimensionne en maintenant les touches Shift et Alt. Pourquoi Alt cette fois-ci? C'est parce que quand c'est juste Shift, c'est vrai, il va conserver les proportions, mais lui, il est en train de redimensionner en partant par exemple d'une diagonale. D'accord? Par exemple, là, c'est la diagonale supérieure droite qui est en action. Si je maintiens la touche Alt cette fois-ci, ben, il va commencer à redimensionner de par le centre, ou vers l'extérieur, ou du centre de l'extérieur vers l'intérieur. Je maintiens, ça me donne déjà cette forme géométrique. La deuxième possibilité pour ça, donc là je viens de dupliquer en deuxième possibilité, on maintient juste la touche Alt et tu cliques, donc tu cliques, tu glisses. Ça va dupliquer la forme. Donc là, je viens de dupliquer. Je peux faire la même chose. Je déplace. Je resélectionne les deux. Je vois en haut ici, on vient de me faire apparaître des options en fait d'alignement. Je peux juste cliquer sur cette petite icône ou ici, d'accord, pour aligner juste sur une sélection, pas sur le plan de travail. Et j'aligne au centre et au milieu. Oui, je refais juste la même procédure, comme ça. Et je prends la couleur noir par exemple cette fois-ci. L'autre possibilité, ça sera juste de... Donc je vais dupliquer la forme comme ça. Je vais me rendre au niveau de l'onglet Objet, Tracé, d'accord? Parce que là, on va travailler sur notre tracé. Puis je vais lui dire, effectue-moi un décalage. Donc il peut faire un décalage positif ou un décalage négatif. Donc là, je suis juste en train de maintenir la touche Shift et la molette de la souris pour faire mon décalage. Donc je fais un décalage négatif de 50 pixels et je valide par OK. Et ça me donne cette forme géométrique qui est ici. Puis je vais juste prendre l'outil rectangle. Donc j'imagine que tu as compris comment ça fonctionne. Donc cette fois-ci, on va aller un peu plus vite. Je prends la forme géométrique rectangulaire qui est là. Je vais juste la pivoter et je vais venir la placer juste devant la forme. D'ailleurs, je vais tâcher à changer la couleur ici. Donc je vais changer la couleur, je me mets là, je fais juste ça, voilà, je les fais toucher comme ceci. Ok, j'ai mon icône. Si je sélectionne les deux, ben, je prends juste mon outil Pathfinder, je me mets en couleur verte et je sais que je veux fusionner ceux qui sont là, mais retirer cette partie-là. Voilà.
Et automatiquement, je viens d'obtenir mon icône de research. Donc là, il est en arrière. Pour le mettre en premier plan, je me mets juste ici au niveau de propriété, disposition, premier plan. Ou clic droit, disposition, premier plan. Donc voici ce que ça me donne. Pour avoir cette icône, on va aller maintenant un peu plus vite. On va juste avoir un cercle. D'accord ? Je vais faire CTRL-C, CTRL-F comme raccourci clavier pour CTRL-C copier, CTRL-F pour coller devant. Ensuite, je vais juste changer la couleur rapidement. Puis, je vais prendre mon outil rectangle et je vais dessiner le rectangle comme ceci. Ça, c'est le rectangle qui va être au centre ici. Donc, je vais sélectionner les deux. Je vais aligner cela au centre. Voilà. Là, c'est par rapport à quoi? Ok, par rapport à la sélection. C'est bon. Donc là, j'ai mon icône qui est ici là. Puis, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais juste dire à Illustrator, écoute mon ami, j'aime beaucoup ce que tu viens de faire, mais j'ai besoin que tu me fasses un décalage. Donc, le décalage, là, on va le faire différemment. Je vais faire un CTRL-C, CTRL-F. Je vais changer juste la couleur pour qu'on voie ce qu'on est en train de faire. Je zoome et je vais maintenir la touche Alt au niveau de cette poignée de redimensionnement là. Je tire pour que ça puisse tirer les deux côtés en même temps. Parce que si je n'appuie pas sur Alt, ça va juste tirer un seul côté. Donc, je tire pour les deux côtés. D'ailleurs, je le mets en arrière. Donc, disposition en arrière. Pour qu'on voit ce qu'on est en train de faire. Donc, Alt, je tire. Et je fais la même chose en haut aussi. Alt, je tire. Puis, je vais faire quoi? Je sélectionne les deux. Je vais me mettre en couleur noire. Parce que, d'ailleurs, je sélectionne d'abord l'outil. Footage a sélectionné l'outil en premier. Je me mets en noir. Ensuite, je fais quoi? Ben, moi, je sais que ici, ça doit être vide. Alt, j'enlève et je clique ici. Ça devient noir. Puis Alt, j'enlève. Alt, j'enlève. Alt, j'enlève. Et voilà, je clique directement. Voilà, c'est revenu. Et automatiquement, voici ce que ça me donne. Cette icône-là. Donc, comme tu as compris comment ça fonctionne, on va aussi faire la même chose au niveau de cette icône, je crois, de Audi. Voilà. Cette fois-ci, nous allons travailler avec les couleurs de contour. D'accord? Donc, je vais travailler avec les contours. Je vais juste dire à Illustrator, c'est bien ce que tu fais. CTRL-C, CTRL-F. Redimensionne-moi cela. Redimensionne comme ceci. D'accord? Ensuite, je vais grouper les deux. Associer. Puis, je vais juste les déplacer. Donc, je déplace à ce niveau-là approximativement, intersection. Et je déplace aussi en maintenant la touche Shift, bien sûr, parce que je veux bien que les proportions, en fait, que ça soit sur la même ligne. Je crois que je vais déplacer ça. Je vais déplacer ce côté-là. Parce que c'est trop proche. Ok. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais juste sélectionner les trois formes. Et je prends mon outil. Ensuite, je vais prendre la première couleur ici, qui est le noir. Donc, le noir va passer ici. Il va aussi passer au-dessus de celui-là. Mais par contre, à ce niveau-là, ça sera le bleu. Donc, en fond de violet, je crois. Je change la couleur ici. Je fais la même chose. Et bam. Et bam. Et bam. Puis là, ça sera la couleur, je crois, orange. Je fais ça. Et je fais ça. Et voilà, on en a fini. Voilà. C'est fini. On va juste retirer les contours. Donc, je sélectionne le tout avec un balayage. Je ne sais pas si tu te rends compte de ce que je fais parfois. Je fais ça. C'est un balayage que je suis en train de faire. Donc, je sélectionne le tout comme ça. Et je retire la couleur de remplissage. Je crois que ici, c'est pas fusionné, donc je vais fusionner cela, là, fusionne, ok, là c'est bien fusionné maintenant. Donc là, si je déplace, tu vas voir que j'ai des trous à certains endroits. Alors, ce que tu dois aussi savoir, c'est que quand tu travailles avec cet outil, c'est que parfois ça va te laisser en fait ce qu'on appelle par des tracés invisibles. Donc ça, c'est par exemple un tracé invisible qu'il a laissé à ce niveau-là. Mais plus tard, on va voir comment est-ce qu'on va résoudre ce genre de problème-là. Donc là, on va refaire la même chose avec cette icône rapidement. Pour cette icône, c'est juste deux cercles que j'ai eu à prendre.
avec cette couleur-là, donc deux cercles. Le premier est là. Le deuxième est là, que je place à ce niveau, approximativement. Puis je vais sélectionner les deux cercles, donc je les groupe et je duplique. Vous connaissez déjà quels sont les raccourcis clavier pour dupliquer. Et là, je peux décider, par exemple, de faire ça. Je peux aussi diminuer hein, la taille, mais je peux le laisser comme ça si je sélectionne le tout. Si tu viens aussi de me découvrir par cette vidéo et que tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche de notification et à laisser un petit pouce bleu parce que ça me fait plaisir et ça permet au référencement de la chaîne, mais aussi à partager la vidéo autour de toi. Tu vas te rendre compte que grâce à l'outil, je peux enlever tout ce qui est externe, comme ça, et je reste avec cette forme géométrique. Ça me donne le shell qui est ici. Non, ça dépend du shell que tu veux obtenir, l'allure de ton shell. Donc, fais ce que tu veux. Puis, quant au reste, je vais me l'étirer comme ça. Voilà. Si je veux couper cela en deux parties, je fais quoi? Je prends mon outil trait, d'accord? Je me mets là, tac. Je sélectionne le tout. Je m'assure que ça soit aligné au niveau du centre. Qu'est-ce que je vais faire? Je sélectionne mon trait sans remplissage, sans contour. Je suis juste en tracé, d'accord? Je vais dans Objet, puis je vais dans Tracé et je vais juste cliquer là où on écrit Diviser les objets inférieurs. Automatiquement, Illustrator vient de diviser mes objets à ce niveau-là. Bon, il vient de les grouper, je vais juste les dissocier. Et si je fais ça, regarde, il vient de me diviser cela. D'accord? Bon, il a divisé ça en plusieurs morceaux comme ça, c'est parce que ma forme géométrique, je suppose qu'il y en avait deux derrière. Donc, on a travaillé avec deux formes géométriques derrière. Ou bien tu peux aussi utiliser l'outil qu'on vient de voir tout à l'heure pour pouvoir obtenir le même résultat. Et là, pour avoir l'œil et enfin les faux yeux qui sont là, j'ai juste pris en fait les formes géométriques que j'ai eu à créer ici. Donc ça, disposition, premier plan. Donc si tu places ça à ce niveau, tu vas voir que ça va te donner approximativement le même résultat si je fais ça. Et voilà, je vais retirer cette partie-là rapidement. Paf. Et je reste avec cette petite forme. Je vais déplacer l'œil là où je veux. Si je veux obtenir la bouche, ben, je vais juste prendre mon outil arc. Je dessine mon arc avec la couleur blanche en contour, comme ça. J'augmente juste l'épaisseur et je fais une rotation comme ceci en maintenant la touche shift et voilà. Voilà. Pour l'autre œil, tu sais comment est-ce que tu peux le faire. On va terminer cette vidéo avec ce logo. D'accord? Comment est-ce que je l'ai fait? Ben, simplement toujours avec des cercles. Tu vas te rendre compte que Illustrator est tellement simple que toutefois on va beaucoup travailler avec des cercles, soit ça sera des rectangles, des formes géométriques basiques. Mais grâce à cet outil-là, concepteur de forme, ben, je vais transformer cela comme c'est pas permis. Donc, je vais juste redimensionner au moins à cette taille. Je vais m'assurer que ça soit groupé. J'aime bien quand c'est groupé. Oui, je vais le placer juste à ce niveau-là. Voilà. Mais une chose que tu dois savoir, c'est qu'avec l'outil concepteur de formes, il faut que les formes soient, que ça se colle. Parce que si les formes ne se collent pas, ah, tu risques d'avoir un petit problème. Il faut que les formes se collent entre eux. Sinon, ça va pas marcher. Donc ensuite, on va dessiner un trait. D'accord? Je vais dessiner un trait vertical comme ceci. Je vais placer tout juste au coin, comme ça. Puis je vais dessiner encore un autre trait vertical à ce niveau et je vais dupliquer le même trait vertical ici, là, puis là. Tu sais comment est-ce qu'on duplique, soit CTRL-C, CTRL-V ou ALT, cliquer, glisser. Puis je vais prendre la même forme géométrique, je duplique encore et je vais juste faire une petite rotation en maintenant la touche Shift, bien entendu. Puis je vais me mettre quelque part là par exemple. Ok. Ensuite, je vais sélectionner le tout. Ça va marcher, mais sauf que tu te rends compte qu'on a une forme en fait qui dépasse un tout petit peu, donc ça doit se couper là. Ça veut dire qu'à ce niveau-là, on va juste copier, puis
coller devant, donc CTRL F, la même forme, on va, oups, non, nous on ne veut pas coller les deux, on veut juste cette forme géométrique, CTRL C, CTRL F, et on veut juste agrandir cette forme-là. Alors, c'est vrai que je suis allé un peu plus vite à ce niveau, c'est que quand tu as une forme qui est groupée, d'accord, tu as la possibilité en fait de pouvoir isoler ce groupe. Donc si je fais un clic droit, tu vas lire en écrit « Isoler le groupe sélectionné ». Là, ils sont juste à deux maintenant. Ou bien, tu peux toutefois double-cliquer sur le groupe, d'accord? Pour que ça s'isole. Tu vas même te rendre compte qu'ici, on a maintenant des choses qui viennent d'apparaître, calque, groupe, etc. Si tu veux quitter, tu appuies sur cette flèche ou sur échappe. Donc moi, je vais juste dupliquer cette forme, donc CTRL-C, CTRL-F, voilà. Puis, oups, on n'a pas fait ça, CTRL-C, CTRL-F. Faut faire attention, quand tu appuies sur la touche F seul, en fait, ça modifie les paramètres d'affichage. Donc, c'est ce que je viens de faire tout à l'heure. Donc, j'agrandis juste approximativement comme ça. Voilà. Puis, je ressors. ma forme, là, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est venue faire ici. En fait, tu es ici, normalement. Voilà. Puis, je peux sélectionner le tout. En sélectionnant le tout, je vais prendre l'outil. Puis, je vais changer la couleur. Donc, je vais me mettre cette couleur là je suppose, et je vais juste commencer à retirer ce qui est à l'extérieur ici. Je fusionne, d'accord, je fusionne cette partie, je fusionne aussi ici, mais je ne fusionne pas à ce niveau là donc j'enlève avec Alt. Comme tu sais déjà très bien le faire. Ici, je vais fusionner. Non. Ici, je ne fusionne pas. J'enlève. Je fusionne. À ce niveau-là. D'accord? Mais c'est pas en bleu. C'est en cette couleur. Donc, je vais fusionner ici. Voilà. J'enlève cette partie qui est en haut. Voilà, j'enlève. Pour faire attention, tu as aussi la possibilité d'enlever directement sur le tracé. Donc, tu as aussi la possibilité de retirer directement le tracé. Donc le tracé, quand tu le retires, ça devient rouge. Voilà. Donc là, c'est bon. Ensuite, on va juste faire ça. Ça. Et on va retirer cette partie-là. Et là, on en a fini. C'est vrai, pas complètement. On va juste retirer la couleur de contour, puis on va dire à Illustrator, écoute, nous on voudrait que tu sélectionnes cette forme géométrique, mais que tu puisses en fait modifier la position en fait de ces points-là. Tu vois, quand tu sélectionnes une forme géométrique, d'ailleurs je vais dessiner une forme géométrique à côté ici. On avait parlé en fait du tracé, et le tracé était relié par des points d'ancrage. Cet outil-là que tu vois là, celui-là, il te permet en fait de pouvoir toucher chaque point d'ancrage. Donc si je veux travailler sur ce point d'ancrage, je clique juste dessus et je peux modifier cela. Tu vois ce que ça fait? Regarde. Là, en fait, j'ai cliqué sur deux points d'ancrage. Si je veux travailler sur deux ou plusieurs points d'ancrage, je sélectionne le premier, je maintiens la touche Shift, je sélectionne le deuxième, puis je bouge les deux en même temps. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire ici. Je vais juste sélectionner ce point d'ancrage, celui-là, celui-là, puis celui-là. Ensuite, je vais juste me remonter cela avec la touche O. Donc, Shift O pour que ça remonte comme ça. Voilà, ça vient de remonter en même temps. Puis, je vais faire quoi? Je vais dire à Illustrator, bah, écoute, moi, je voudrais que tu rendes ce coin-là arrondi, parce que c'est angulaire. Alors, pour rendre un coin arrondi, ben, tu sélectionnes le point d'ancrage, par exemple, du coin, tu vas voir que tu as le rayon qui est à l'intérieur. Si tu cliques dessus, ben, ça le rend arrondi. D'accord? Si tu veux sélectionner plusieurs, tu fais un balayage avec l'outil de sélection directe, et à ce moment-là, tu peux arrondir les deux en même temps, ou les trois, ou les quatre, par rapport à ce que tu veux obtenir. Donc, moi, je veux sélectionner les deux qui sont là, et je vais les arrondir. Alors, l'arrondi de celui-là est quand même assez. Donc, je vais juste sélectionner celui-là et je diminue son arrondi dans ce sens-là. Pour que ça me donne ce résultat, je vais sélectionner les deux points d'ancrage, enfin les quatre points d'ancrage qui sont là.
Je vais encore descendre ça un tout petit peu vers le bas. Et voici le résultat que ça vient de me donner. Donc, j'imagine qu'avec ces quatre travaux qu'on vient de faire, que je te demanderai d'ailleurs de refaire en tout cas, impérativement, et d'envoyer cela dans le groupe, dans la salle virtuelle de Telegram et dans les autres réseaux sociaux, qu'on voit un peu ce que tu fais. En tout cas, ça va te permettre de pouvoir prendre la main sur cet outil. Amuse-toi avec. Essaie de créer même ce que tu veux, l'impossible si tu veux. Et moi, je te retrouve dans la prochaine vidéo. À tout de suite. Si la formation t'a plu, n'hésite pas à cliquer sur le lien en bas dans la description pour obtenir la formation complète où tu auras accès à toutes les vidéos ainsi qu'à tous les fichiers de travail qui ont été utilisés. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Alliance. Ciao !